la chaîne qui vous aime. Vous êtes en Brazza, vous êtes en Angola, vous êtes en Cameroun, vous êtes en Wapi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ingna Ebisayo, vallée où vous traversez, la vallée que tu es en train de traverser, et au Melayote. Et au Melayote, pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Dans l'Ingna Rassiré Moutoumoko, la vallée que tu es en train de traverser. David a dit, quand je marche dans la vallée, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la vallée. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la vallée. Il y a beaucoup de couples qui sont dans la vallée. Il y a beaucoup de salamis qui sont dans la vallée. Ils ont des bannes qui sont dans la vallée. Ils ont des bâtiments qui sont créés d'entreprises, mais entreprises qui sont dans la vallée. Mais laisse-moi te dire, David a dit, je ne crois qu'à Marie. La vallée est interprétée par la mort. La vallée est interprétée par l'humiliation. La vallée est interprétée par la souffrance. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi tu crains? Vallée est interprétée par le diable. Le diable s'est élevé comme une vallée pour détruire, engloutir Vinayo. Vous savez que Goliath a vallée pour Nabana à Israël. Tout Israël fuyait devant Goliath. Mais seul David n'avait pas peur de Goliath. Bien-aimé, n'aie pas peur de Goliath. N'aie pas peur de la situation que vous traversez. N'aie pas peur de la destruction fatale et continue à ta famille. Vous avez un bon mot. 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 Vous pour détruire Goliath. Il a détruit Goliath qui était une vallée. Laisse-moi te dire, Valoyo, ils ont banni ça ta famille, Banjodi. Ne crains rien. Parce que la houlette et le bâton est avec toi. La houlette et le bâton, c'est la prière et c'est la parole. Lorsque tu pries beaucoup et tu médites beaucoup la parole de Dieu, sache-le bien que Dieu te sauvera et Dieu te donnera la victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Peu importe le vallée que tu traverses. Ne crains pas, Psaume chapitre 23, le verset 4. C'est votre humble serviteur, le prophète Germain Dimanche, et l'ensemble de nouvelles créatures, le visionnaire, votre frère. Que le Seigneur vous bénisse. Prions, Seigneur, mon frère est en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Aide mon frère, ma soeur, ma mère, grand-père, éternel Dieu, bénissez la cata situation, afin qu'à bénir. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Prions pour la parole. Seigneur, merci. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, merci pour ce beau moment que tu nous as accordé, moi et mes frères, pour partager ta parole. Éternel Dieu, la Bible dit, dans leur détresse, il invoqua l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Natiki lilobao e kobima, mutunyo sokoka lilobao, azala béni, azala transformé, azala réconforté, azala Éternel Dieu guéri, azala béni, azala consolé. Azala éternel Dieu, Yahweh Nangai, éternel Dieu, Aïbana Kope Somatondi, na Oya Koyoka. Kumama na ona baby si toutes les œuvres sataniques, et Zala ni les sans effet, et c'est là au nom de Jésus, Ndetobon de Libongo. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons partager un thème où il est intitulé Vallée. Vallée. Bien-aimé, Vallée. Nous avons quatre dans le livre, il y a Psaume chapitre 23, le verset 4. Psaume chapitre 23, le verset 4. Toujours partagé thème où il a intitulé Vallée. Regardez ce que David dit. David dit,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que vallée, David est en train d'interpréter vallée comme l'ombre de la mort. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est que la vallée est l'ombre de la mort. Bien-aimé, na ébité, de quelle manière vous traversez Vinayo? Situation nini vous vivre sikoyo? Vous avez pied, si vous en États-Unis, vous en Canada, vous en Londres, vous en Paris, vous en Afrique, vous en Afrique l'Ouest, vous en Est, vous en Congo, Kinshasa, vous en Brazza, vous en Angola, vous en Cameroun, vous en Wapi. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingina ebisa yo vallée o yo zo traverser, la vallée que tu es en train de traverser, et o melayote, et o melayote, pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Na lingina rassurer moto moko, la vallée que tu es en train de traverser, David a dit, quand je marche dans la vallée, il y a beaucoup de chrétiens qui sont vallée. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la vallée. Il y a beaucoup de couples qui sont dans la vallée. Il y a beaucoup de salamis qui sont dans la vallée. Ils ont des bana qui sont vallée. Ils ont des bâtiments qui créé une entreprise, mais entreprise qui sont dans vallée. Mais laisse-moi te dire, David a dit, je ne crains aucun mal. La vallée est interprétée par la mort. La vallée est interprétée par l'humiliation. La vallée est interprétée par la souffrance. Moussa lozo simbe zo Moussa lozo salizo simbaté. Commerce zo salizo simbaté. Okomi ko lokwa abandonné. Fiancé a ngwe wume lokomo lokwa abandonné. Bien mo komo changer o bala mo so akufi o bala mo so akufi o bala mo balu akufi o bala o akufi. Bien mo komo lemba. Mais laisse-moi te dire, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi tu crains? Vallée est interprétée par le diable. Le diable s'est élevé comme une vallée pour détruire, engloutir Vinayo. Vous en Brazza, vous en Angola, vous en Cameroun, vous en Wapi. Bien-aimé dans le Seigneur, vallée où vous traversez, la vallée que tu es en train de traverser, et au Melayote. Et au Melayote, pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Na lingina rassurer moto moko, la vallée que tu es en train de traverser. Et Melayote, robo mayote. David a dit, quand je marche dans la vallée, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la vallée. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la vallée. Il y a beaucoup de couples qui sont dans la vallée. Il y a beaucoup de salamis qui sont dans la vallée. Ils ont des bana qui sont dans la vallée. Ils ont des bâtiments qui ont créé une entreprise, mais entreprise qui sont dans la vallée. Mais laisse-moi te dire, David a dit, je ne crains aucun mal. La vallée est interprétée par la mort. La vallée est interprétée par l'humiliation. La vallée est interprétée par la souffrance. Moussa lozo simbe zo Moussa lozo salizo simbaté. Commerce zo salizo simbaté. Okomi ko lokwa abandonné. Fiancé a ngwe wume lokomo lokwa abandonné. Bien mo komo changer o bala mo so akufi o bala mo so akufi o bala mo balu akufi o bala o akufi. Bien mo komo lemba. Mais laisse-moi te dire, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi tu crains? Vallée est interprétée par le diable. Le diable s'est élevé comme une vallée pour détruire, engloutir Vinayo. Vous savez que Goliath a vallée pour Nabana Israël. Tout Israël fouillait devant Goliath. Mais seul David n'avait pas peur de Goliath. Bien-aimé, n'aie pas peur de Goliath. N'aie pas peur de la situation que vous traversez. N'aie pas peur de la destruction fatale qui est à ta famille. Vous avez un bon goût. Vous montez entreprise, vous avez un yibi, vous avez escroqué. Vous avez un simbité, un bébé. Vous avez la nuit et jour. Vous avez un sapin, vous avez un pendant 39 jours, Goliath a lancé un défi. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que Jésus était là. David était là. Pour détruire Goliath. Il a détruit Goliath qui était une vallée. Laisse-moi te dire, vallée, ils ont bangé ta famille, ils ont bangé. Ne crains rien.
Parce que la houlette et le bâton est avec toi. La houlette et le bâton, c'est la prière et c'est la parole. Lorsque tu pries beaucoup et tu médites beaucoup la parole de Dieu, sache-le bien que Dieu te sauvera et Dieu te donnera la victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Peu importe le vallée que tu traverses, ne crains pas. Psaume chapitre 23, le verset 4. C'est votre humble serviteur, le prophète Germain Dimandja, de l'ensemble Nouvelle Créature, le visionnaire, votre frère. Que le Seigneur vous bénisse. Prions, Seigneur, mon frère est en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Aide mon frère, ma soeur, ma mère, grand-père, éternel Dieu, bénissez dans cette situation, afin qu'à bénir, Yonkolo, n'a pas embolio, parce que je sais, à Mourebi qui a traversé ce message, foi na école du sous, na combo na Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les médias, la chaîne qui vous édifie.